Bon, je suis dans la giga sauce, hein. Comment je voulais que je déjà tout seul, j'y arrive pas. Très peur de ce qui est en train de se passer. Attends ici. Comme si j'avais le choix. Au moins la synchronisation elle est morte. Hein. On s'est fait repérer directement. Salut. Je laisse là. Ouais, il est passé, là-bas. Allez, allez. Capture-le, bon sang. Voilà. Oh, excusez-moi, princesse. Pourquoi m'aides-tu, Ezio? Orly est tombé, je ne te sers plus à rien. Mais je t'aime. Je t'aime. Tu comprends pas? Tu as une famille. Cette famille n'est pas la tienne. Cette nuit, à la villa, je devais solliciter ton appui pour protéger Forley. Est-ce que tu comprends, Ezio? Et la politica. Bien sûr, je comprends. Tu n'as pas de justifié. Voilà. Maintenant, je la laisse là. Et moi, je me casse. Je suis revenu. Je rigole. Oh, mais non! Vas-y! Ça, c'est vraiment un réseau pyromane, désolé. Oui, mais ils ont mis 10 000 gardes qu'il n'y avait pas le... tout à l'heure. Hein. Cesare, est-ce qu'il t'a... Non. Il faut croire que mon nom signifie encore quelque chose. Ils n'ont pas... attenté à moi. c'est ce que je voulais faire, ça a fonctionné. N'y pense même pas. Toujours la classe, Ezio. Filio de putana. Je ne t'y reprenne jamais. Mais quoi? Fais bien qu'on fasse quelque chose, tu veux qu'on fait quoi? Ouvrez les portes! Ah! Que tu fais toi? Mais non! Mais non! Lâche-la! Il est con! Voilà. Voilà ma petite douceur. Reste là, ma petite douceur. Voilà. On est dans la merde, hein. Je sais pas comment on va sortir. Hein. Ma petite douceur. Le mec qui revient toujours avec son surnom. Oh, merde. On dirait que la porte s'ouvre de là-bas. Ouais, bah reste là. Alors. Hop, t'es prête? Attention, mon petit douceur. Encore là. Je reviens, je vais chercher la deuxième. Hein. J'ai pas confiance en lui. Mais attendez, attendez, j'ai raison. Allez hop, faut que je vous reprends parce qu'ils ont dit qu'il fallait que je vous reprends. Oh, vite, Ezio. Je vais couvrir tes arrières, franchis le pont. Oh, j'aime pas trop les trucs à cheval. Bon. Hein, comment on accélère? Oh, je reste pas là. C'est hors de question. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Oh.
Oui, c'est pas ça que je vais faire. Plus vite, bloque-le. Mais non, pas lui. Mais non, c'est embidé. Mais non. Mais non. J'en ai marre de jeu. Rends mon bidet. Rends-toi sur l'île Tibérine. Tu y trouveras Machiavelli. Bah, ça se passe bien, il final. Doit m'y attendre. Que vas-tu faire? Quelqu'un doit rester ici pour occuper les gardes. Reviens sain et sauf, ou je ne me le pardonnerai jamais. Va. Je sais pas me battre, hein. j'ai jamais su. Ah, putain, protège-toi, espèce de débile. Par contre, c'est chiant. Quand tu tapes. J'ai jamais su comment on faisait pour enlever, hein. Vraiment, ils m'ont jamais rien dit. C'est genre tu te démerdes. Maintenant. Je suis con. Viens, ne restez pas là. Maintenant. Comment on fait quand c'est comme ça? Waouh! Ah bah là. Oh putain! C'était quoi? Qu'un seul membre retourne au château! Vite! Il est à vous! Allez, retourne au château, vous a dit là! Mais lâche-moi! Lâchez-moi! Putain, c'est... Putain. Allez, me lâche pas. Au revoir les cons. Salut. J'ai pas que ça à faire, moi. Hop, j'ai un petit saut de... Salut. J'ai un marmite. Aidez-moi, citoyen. Citoyen de Paris. Okay, putain, pourtant j'étais caché, y'avait personne qui me voyait. Hein. Mourir. Voilà. Bon, tout s'est bien passé au final. Ça reste correct. On a sauvé notre bien-aimé. On a enfermé l'autre. Bon, moi je pense qu'on aurait dû la buter, mais. Comme vous l'avez vu sur le premier essai. Non, non, mignon. Ah putain, t'as eu du bol. J'allais te buter. J'allais tellement te buter. C'était pas lui, j'allais le buter, mais d'une force. Ah lui, vraiment, ça s'est joué à rien. Vraiment, c'est parce que j'ai eu le petit doute à un moment donné du skin qui me disait rien du tout. C'est barré d'une zone où je peux pas aller trop. Et du bol, il l'a senti. On se fait plein dedans, attends bien. Ah
repartir un petit peu en l'air. Par contre, vraiment, pour sortir des zones, c'est chaud. Bon, il restera toujours abruti hein, sur les sauts, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on lui en veut pas. Bonjour. Ouh, j'en veux plus, hein. Ezio. Où est Machiavelli? Je ne l'ai pas trouvé. J'ai escorté la comtesse jusqu'ici. Catherine. Tu voudrais bien nous dire où tu étais passé? Je cherchais Ezio. Et Cesare et Rodrigo? Cesare est parti avant que je ne puisse l'approcher. Rodrigo n'était même pas au château. C'est étrange. Généralement, Rodrigo y passe tout son temps. Oui, très étrange. Tout ça pour rien. Soit dit sans offense. Je m'en remettrai. Cesare est en route pour Urbino. Il faut mobiliser nos forces. Je pensais que nous allions attaquer au plus tôt. Impossible. Cesare est à la tête d'une vaste armée en Romagne. Vous n'auriez aucune chance. Nous devons agir ici, à Rome. Saper l'influence des Borgia en renforçant la nôtre. Et d'ailleurs, il n'y a pas une seconde à perdre. Volpe, va chercher Claudia et Bartolomeo. Machiavelli, retrouve-moi dehors. Prenez soin d'elle. Regarde. Les Borgia prennent ce qui appartient au peuple pour asseoir leur pouvoir. Et comment comptes-tu y remédier? Nous allons le gagner à notre cause. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Pour gagner cette guerre, Machiavelli, il nous faut des soldats loyaux. En recrutant des ennemis de l'État, nous armons ceux qui ont été désarmés par les Borgia. Alors va. Recrute nos premiers partisans. Et toi, tu fais quoi? Tu te mets à terre et tu t'assois et tu bois ton petit café? Putain, je vais me les faire! Je vais me les faire! Là, je vais me battre. Oui. De toute façon, t'es déjà mort. Hop là. Voilà. La libération de Rome a commencé. Je vous remercie. Ce serait un honneur de combattre à vos côtés, signore. Faut que je recherche celui-là que j'ai parlé là-bas. Ah, nickel. Assassin! La libération de Rome a commencé. Si tu choisis de fuir, alors fais-le maintenant. Mais si tu veux résister, bats-toi à mes côtés, contre les Borgia. J'en ai assez de rester caché dans l'ombre. Je suis avec toi. Alors va chercher Niccolo Machiavelli sur l'île Tibérine, et nous ferons de toi l'un des nôtres. La vérité éclatera, et leurs mensonges seront dévoilés. Ça va, c'est des quêtes assez rapides, plutôt simples. Rien à dire, rien à faire. Et dans 2000 florins, je pourrais acheter l'arbalète. Et ça, c'est vraiment cool. Et toi là? Là, par contre, tu parleras plus sur mon dos, jamais. Alors, on enchaîne les quêtes, hein. On y va. Show, soirée disco. Devenir un assassin. Bon, on va passer par là du tout, on va pas... C'est bon, ça passe. On n'a pas encore vu notre ami Leonardo. Je peux savoir pourquoi vous faites ça, idiota? Idiota... Quoi? L'assassin de l'eau!
On n'est pas encore été dans l'eau, il fallait que j'y aille. C'est une nécessité extrême. Pas dur. Ça va. On est plus très loin. Je pense qu'on finira sur le début de cette quête. Ouais, les cardinaux, tout ça, on connaît. Hein. On peut appeler des assassins maintenant. Ça va être assez cool après. Franchement. Alors, du coup, c'est totalement ici. Il y a l'air d'avoir quelqu'un qui pleure. Ah merde. Qui a fait ça? Ce monstre de Malfatto! Où est-il? Là-bas! D'accord. Je dois juste le buter? Oh Mina, je t'avais dit de ne pas venir ici. Il dirait que c'est un gros piège. C'est trop drôle qu'ils me disent tous où il faut aller. C'est même limite très flippant. Moi je trouve ça archi flippant, hein. Vraiment les femmes qui disent pile par où il est parti. Archi flippant. Animale. Ok, il court. Il court, le salaud du bois joli. Quoi, je vais le buter, hein? On est d'accord, hein? Requiescat in pace. Ah, j'ai eu peur, hein. Non, désynchronisation, pourquoi? Enlève-lui son masque, on sait pas qui c'est, là, comme ça. C'est hors de question. Un assassin. Ah, moi, je fais pas appel à mes recrues, hein, je le fais moi-même.